J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous fais un petit, mais vraiment pas très gros, un retour de brocante. Je porte mes petits bijoux Aura Création, donc un petit collier à pompons et des petites perlettes dorées, donc un petit esprit bohème. J'ai refait des petits bracelets, dont celui-ci avec perles en bois, perles beige, celui-ci vert blanc avec toujours l'arbre de vie. Vous avez celui-ci avec le petit trèfle et le petit pompon jaune. Et ces toutes petites boucles d'oreilles très simples en perles. J'ai des restes de perles, donc je fabrique des petites boucles d'oreilles. Donc vous retrouvez tout ça sur ma boutique en ligne Aura Création sur Etsy. Merci pour toutes vos commandes. N'hésitez pas à venir faire un petit tour si vous voulez un bijou personnalisé. Il suffit juste de m'envoyer un message pour me dire ce que vous voulez. Et une petite arrivée dans ma boîte aux lettres de la marque You Are Cosmetics sur le store d'Octoly. J'ai vu qu'il y avait des petits pinceaux, donc j'en ai reçu 3 gratuitement de la marque. J'ai reçu celui-ci pour le fond de teint, celui-ci pour le contouring et celui-ci pour le blush. Donc pour le blush, pinceau applicateur de blush poudre. Pinceau permet d'appliquer aussi bien le blush par mouvement circulaire. Celui-ci pour le fond de teint liquide ou compact. Et celui-ci pour l'applicateur, pour la texture poudre ou crème du contouring. On va les ouvrir. J'avais déjà reçu des pinceaux Aura Cosmetics hein, et franchement ils étaient très sympas. Doux, enfin voilà. Celui-là j'aime beaucoup. Donc on va les tester, je vous mets tous les liens en barre d'informations et merci à la marque. Donc voilà, un petit tour à la riderie de Cagny, donc qui n'était pas terrible, en plus dans l'air il y avait plein de pollen qui volait, c'était super désagréable, donc j'ai trouvé vraiment 3 bricoles, je voulais vous les présenter. Là quand je vais vous poster la vidéo on sera lundi férié, mais nous on y a été donc le dimanche. Donc j'ai trouvé, il n'y avait pas trop de monde. Comme il a fait mauvais ces derniers temps, forcément la riderie des emplacements était un petit peu vide. Donc j'ai trouvé ce joli petit sac, donc c'est un sac bourse. Donc c'est forcément une fermeture comme ça, je l'ai eu à 3€. Je vais peut-être payer un peu cher, j'aurais dû négocier un petit peu. Et donc franchement je le trouve sympa. C'est le genre de sac que moi j'avais quand j'allais en cours, quand j'étais plus jeune au collège. Donc j'ai déjà acheté un que je vous ai présenté dans un autre tour de brocante, mais qui était un petit peu plus petit et qui était noir. Ensuite je me suis trouvé un jean. J'en avais pas de cette couleur là, donc c'est de la marque Patrice Bréal je crois. Donc c'est la taille 38, donc un petit bordeaux comme ça. J'ai regardé mon armoire, j'ai beaucoup de noir, beaucoup de blanc, beaucoup de bleu, beaucoup de gris, mais là un petit rouge pour cet été. J'ai trouvé pour le petit un livre Barba Papa, donc ça fait partie de la petite collection. Ils avaient sorti cette collection là il y a quelques années. J'avais eu le premier numéro, je crois, puis après on avait arrêté parce qu'à l'époque, Sylvain lui était tout petit, puis s'intéressait pas trop. Donc c'est le numéro 23, ce sont les gnous. Et nous sommes très fans de Barba Papa, moi y compris. C'est un dessin animé que je regarde depuis que je suis toute petite et qui a accompagné mes enfants au fur et à mesure des années. Sylvain n'était pas très très fan de Barba Papa, Chanel l'aime bien, et puis alors Sylvain nous la fond dedans. Donc j'ai pris justement pour Silou, il nous manquait des vêtements, donc ça va être en majorité pour lui, donc toujours de la taille 4 ans, donc un petit t-shirt Hermès bleu, celui-là j'ai trouvé très joli, un petit H&M à rayures. Là je le vois, je me dis qu'il a l'air un peu petit, mais bon, on va le mettre tout de suite. Ça fait partie de leur collection coton organique. On a pris un petit short parce que finalement des shorts, j'en achète pas beaucoup chaque année, puis chaque année c'est des... j'ai acheté des shorts qui taille 2 ans. Un petit short bleu comme ça, neuf, c'est pour Sean. C'est un calbut Looney Tunes. Celui-là j'ai trouvé très joli avec les cactus, pareil pour Sylvain, toujours taille 4 ans. C'est de la marque YCC, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ensuite le short, celui-ci, in extenso. C'est marrant, c'est écrit 3, serait-ce un 3 ans, c'est possible que ce soit un 3 ans, mais là c'est large quand même. Donc, en vert kaki. Ensuite, comme il va au centre cet été, pareil de la marque in extenso, 4 ans, petit pantalon fin. Les shorts pour cet été au centre, ça craint un peu parce qu'il va tomber, il va se faire mal. Et on a trouvé celui-ci de la marque Tape à l'œil. Ils font de très beaux pantalons Tape à l'œil, j'aime beaucoup. Donc c'est des pantalons, espèce de petits pantalons à pinces très fins bleus. 4 ans. Et pour terminer, on a pris pour l'aquarium à poissons. Donc ça, ça va être un filtre à air, c'est ça? Un filtre à air parce que celui qu'on a eu avec l'aquarium qu'on avait acheté sur le Bon Coin, il fait trop de bruit. Donc, et une petite décoration qui fait des bulles d'air apparemment en forme de squelette. Voilà, c'était tout pour ce petit retour de brocante. Je sais qu'aujourd'hui quand je vais vous poster la vidéo on est lundi férié, donc il y en a plein aussi, mais bon, je vais rester tranquille dans la maison parce que j'ai beaucoup de taf à faire. Après j'enchaîne donc une semaine de travail, j'arrête vendredi à midi, puis après je suis en vacances une semaine, et franchement ça va faire du bien. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.